Et ça va? Ah, ça va, ça va. Je meurs de faim. Mais j'ai travaillé comme un malade. Le chenil, là, il était dégueulasse. Il y a deux chiens qui avaient full flux. C'est le fun que ça t'ouvre l'appétit, hein? Mais j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Pamela travaille pas aujourd'hui. Ça fait que pas de biscuits pour son chouchou. Je suis pas le chouchou de Pamela. Voyons donc. Non, mais t'es mon chouchou à moi. Ah. J'ai pensé que comme Pamela était pas là, fallait la remplacer. Alors je vous ai préparé mes fameuses barres granola. Oh. Tadam! Ah, ça a l'air full bon. Essaies-tu de remplacer Jean-René? Ben, pas du tout. J'ai toujours trippé nature, tu le sais. Ah, puis je vous ai fait aussi du thé aux herbes et à la salsa pareille. Ah, la salsa pareille, comme dans les gâteaux des Schtroumpfs. Waouh, c'est vraiment trop gentil. Vous allez voir si avec ça on va être efficace. On va être rempli d'énergie. Qui veut goûter en premier? Fais goûter ton chouchou, OK? Hein? Ben là, quand même, reste pas poli, là. Les vieux en premier, ça va? C'est toujours comme ça avec le premier morceau. Tiens. Mm. Pis c'est bon, hein? Okay. Full bon. Je savais que t'aimerais ça. Mm. Tiens, Louis. Merci beaucoup. Ah non, 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 pas avec de l'eau. Faut que tu y goûtes avec le thé. T'as pas l'air d'aimer ça? Non, 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 c'est... Le goût, hein, c'est surprenant, mais je vais m'habituer. Tiens, Louis. Merci beaucoup. Ben, tu sais que tout le monde se cache? Oui, on a la chance de goûter aux créations culinaires de Maud. Ah, ben c'est parfait, j'ai justement un petit creux. Hein? Mais tu vas voir, avec ça puis ma tisane, tu feras pas d'hypoglycémie de la journée. Ni de corps au pied. Fait que t'es niaiseux. Papa, en tout, tu vérifieras la salsa pareille, c'est excellent contre les corps au pied. Pour vrai? As-tu déjà vu un schtroumpf avec des corps au pied, toi? Oh, il est vraiment beau, hein? Je te dis, un vrai petit Italien, les cheveux noirs, les yeux noirs. Il va briser des cœurs. Il a déjà brisé le mien. Il me manque tellement. Quand est-ce que Marcello revient? Ah, dans quelques mois. S'il réussit à trouver un travail. Ah, j'en connais une qui doit prier fort. J'achète des lampions toutes les semaines. Ah, ben des lampions, c'est sûr que ça va marcher, ça. Faut pas rire de la religion, hein? Ah, Lina, je ris pas de la religion. C'est juste que les lampions, j'ai toujours trouvé que ça ressemblait à un rite païen. C'est vrai, plus t'en achètes un gros, plus ta prière dure longtemps, franchement. Tu comprends rien. C'est le symbole, c'est l'intensité de l'intention que tu mets dans les gestes, hein? C'est la ferveur. Lina, choque-toi pas. Je voulais juste savoir quand est-ce que ma petite Juliette allait rencontrer ton petit Tomasino. Mmh. Ah ben, allô! Et toi, la bambine avec toi. Que le joli! Salut! Comment ça va? T'as l'air en forme. Je suis... Elle est tellement fine. Elle fait déjà ses nuits. Oh, dis-moi pas ça, c'est bien trop injuste. Oh, Nino. Quand Tomasino va venir au Québec, il aura le choix des jolies filles. Marcello revient. Oh, tu dois être contente. Oh oui, ça lui a coûté une fortune de lampion. Comment ça? Isabella, il rit de moi, comme d'habitude. Oh, arrête donc. Puis toi, quand est-ce que tu reviens? On s'ennuie de toi. Ben, c'est un peu pour ça que je suis ici. Il faudrait que je discute avec toi de mon retour. Ah. Ou plutôt de mon non-retour. Comment ça? Mais je pense pas reprendre le travail de couturière. Wow! Tu trouves tes textes géniaux ou t'es sur un site 3X? Non, ni l'un ni l'autre. Je suis sur un site de gros troc. Sais-tu combien ça vaut un camion comme celui de ton père? Ça vaut un gros paquet de troubles. Ouais, ben, un paquet de troubles de même, là, j'en prendrais 10 par année. Ça vaut 100 000 $ Es-tu sérieux? US. 100 000 US. 100 000? Oui. Il se sent plus coupable que je pensais. Et là, avant que tu le vendes, là, va falloir qu'on le laisse. Qu'on le laisse? J'ai pas de permis pour conduire ça, moi. Ah, qui te parle de conduire? Moi, je vais essayer la cabine. Avec moi. D'après toi? Non. Des fantasmes tordus, là, mais pas à ce point-là. Merci. Oh, ça vaut moins cher, usagé. Sais-tu à combien de millages? Tu parles d'une question. Imagine-toi donc, j'avais d'autres choses en tête quand tu m'as dit qu'il me le donnait. J'y ai pas demandé le millage, ni la couleur, au cas où ça t'intéresserait aussi. Ouais. C'est vrai qu'il est beau dans le rouge. Mais le blanc, là, il y a plus de classe.
Allô? Oui, je te le passe. Bye. C'est Lorraine. Allô? Mais attends une minute, là. Il m'avait dit de pas... OK. Je t'attends. C'est correct. Mon père a été voir ma mère. Puis elle s'en vient? Elle s'en vient. Ah, je m'excuse, ça a pris du temps. J'ai décidé d'aller chercher des bagels sur Fairmont. Ils sont tous chauds, ils sortent du four. On a-tu acheté au raisin? Ben, c'est sûr. Je connais mon homme. Je t'en ai acheté deux. Juste deux. Gourmand! C'est pas juste, tu manges comme un cochon puis t'es mec comme un clou. Il y a deux grossières erreurs dans ta dernière affirmation. Primo, je mange pas comme un cochon, j'apprécie les bonnes choses, pas pareil. Deux yeux, je suis pas mec comme un clou, j'ai une minceur distinguée. Une minceur distinguée, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Viens te remplumer la minceur, là, c'est prêt. Et... Y a-t-il du fromage? Mais oui, y a du fromage. Ah! T'as des amis qui sont vétérinaires, hein? Oui, Louis. J'aurais besoin de visiter une salle de chirurgie. Penses-tu que ça serait possible? Ben, probablement. Pourquoi? C'est le dernier texte que j'ai reçu. Pedro se lance dans la fabrication d'organismes génétiquement modifiés. Mais il y a une technique assez particulière, genre Dr. Frankenstein. Renaud a les idées de plus en plus tordues. C'est un texte de Maryse. Ah ouais? Mm-hmm. Ah ben c'est génial d'abord. Quelle belle objectivité. Quand est-ce que tu veux y aller? Le plus tôt possible aujourd'hui, si on peut. On est en congé. J'aime ça, tes journées de congé. Elles sont tellement différentes des jours où tu travailles. Désolé. Ben tiens, pour compenser, là, ce soir, je te sors. On va où tu veux. Ah ouais? Mm-hmm. Ah ben j'ai une idée. C'est quoi? Surprise! Comment tu vas? Ça va bien. Maryse n'est pas ici? Non. Elle est partie chez une amie. Ah. Toi, comment tu vas? Moi? Une fois la surprise passée, je trouve ça bien dommage qu'il lui arrive, mais je m'en fais pas un cas de conscience. C'est pas mon père. Ouais. Ça a beau être le mien, ça me fait pas grand-chose non plus. Qu'il s'en aille puis qu'il me sacque la paix, j'y ai rien demandé, moi. Il aimerait ça te revoir avant de partir. Il est allé te voir pour que tu serves d'intermédiaire entre lui et moi. Il a rien à son épreuve, le bonhomme. Il a beau avoir fait ce qu'il a fait, ça reste ton père. Tu pourrais lui accorder ça. Il se meurt. Belle excuse. Je te comprends pas, Lorraine. Il a foutu le camp. Il nous a abandonnés. Il t'a jamais aidé pour m'élever. Il nous a jamais donné de nouvelles, pas une scène. Puis là, il réapparaît comme un Jack in the Box, puis tu plaides sa cause. Ça marche pas. T'as raison sur tout. Mais je le fais pas pour lui, je le fais pour toi. Il me semble que tu vas le regretter si tu le laisses partir comme ça. C'est ta dernière chance. Ma dernière chance, pourquoi? Penses-tu vraiment qu'on peut rattraper 20 ans d'absence en claquant des doigts? Ben non, je sais bien que non. Mais il fait vraiment pitié. Mais c'est quoi lui accorder une coupe d'heure? Ça changera rien à notre vie. C'est juste un peu de charité. De la charité? La charité, là, c'est que je le rencontre pas. Parce que si je le vois puis que j'y dis ce que j'ai envie d'y dire, ça va le rachever. D'après ce qu'il m'a raconté, tu t'es pas gêné pour lui dire ta façon de penser. Il est allé se faire plaindre en plus? Il y a vraiment aucune fierté. Oh, Antoine, on s'en fiche de lui. Moi, oui. Mais toi... Je m'en fiche de lui. Je lui dois rien, absolument rien. Mais je pense vraiment que tu vas commettre une erreur qui va te hanter toute ta vie si tu refuses de le rencontrer. Une erreur qui va... Franchement. Mais je te parle sérieusement. Je te connais. Puis je sais que j'ai pas élevé un sans-cœur. Là, là, il y a un homme qui souffre, qui va mourir, puis qui demande la faveur de passer une coupe d'heure avec toi. Puis en plus, cet homme-là, c'est ton père. Oui, mais... Antoine, s'il était mort sans que tu le vois, on n'en serait pas là. Malheureusement, il a eu l'idée de venir se pointer ici. Alors maintenant, pour toi, il existe. Il y a un visage, une voix, une vie. Si tu le rencontres pas, je suis sûre que tu vas t'en vouloir un jour.
T'aurais dû devenir avocate. OK, je vais le voir, mais à une condition. Laquelle? Que tu sois là, toi aussi. Je serai pas le seul à me faire suer au nom de la charité chrétienne. J'ai rien à faire là, moi. Denis, c'est toi qui veux voir. On est trois dans cette histoire-là? J'ai besoin du support moral de ma mère pour passer à travers de ça. T'es pas correct. Oui, je suis correct. Oublie pas que... t'as pas élevé un sans-cœur. Tu te rappelles les dessins que j'étais allée te montrer un petit bout de temps? Oui, les vêtements d'intérieur. Ouais. J'ai continué. En fait, j'ai recommencé à dessiner. Une collection pour enfants. Oh, c'est pour ça que tu veux plus faire de couture. Tu veux te lancer en design. Ouais. Ben, je commence à connaître pas mal de monde, puis je sais un petit peu plus comment ça marche. Tu sais que c'est pas évident de lancer une nouvelle collection, hein? Il y a beaucoup de compétition. Oui, je sais, mais... je vais essayer, puis si ça marche pas, je ferai autre chose. Et je reviendrai pas à la couture, ça c'est certain. Bon. J'imagine que Simon est au courant. Oui. Ouais. C'est sûr que me perdre comme employé faisait pas même son affaire. Mais il sait que je vais être plus heureuse comme ça. Ah, d'un côté, je te comprends, mais d'un autre, je te dis que ça me fait vraiment de la peine. On était vraiment une belle équipe. On va peut-être quand même travailler encore ensemble. Je me disais que vous seriez peut-être intéressée à fabriquer la nouvelle collection d'une jeune designer pleine de talent. Ah oui, c'est sûr que ça serait le fun, mais pour l'instant, ce qui est important, c'est de trouver une nouvelle couturière pour te remplacer parce que celle qu'on a choisie fait pas l'affaire de Madame Cobetto. Elle a le gène diva pas mal développé, notre Lina Cobetto. Mais on l'aime. Puis passe-moi donc ça, ce beau petit bébé-là, là, que je comprenne comment ça se fait que lui, il fait ses nuits. Hein? Oh, bon. Oh là. Hey, j'ai chaud, moi. T'as pas chaud, toi? Oui. Le système de chauffage est peut-être déréglé. Avez-vous chaud en chirurgie? Et moi, j'ai toujours chaud en chirurgie. Oh, moi, là, je trouve qu'il fait très chaud. Bon, ben, tu finis avec le chien, là, parce que j'irai leur porter puis vérifier le chauffage. Oh, oui, j'ai fini. Bon. Je me fais vieux, j'ai des bouffées de chaleur. Ça doit être le thé à la salle, c'est pareil. Il paraît que c'est sudorifique, ça fait suer. Mais hein, au sens propre comme au figuré, t'aurais pu nous le dire. J'avais oublié. C'est le fun. Est-ce qu'il y a d'autres propriétés que t'as oublié de nous dire? Ben, c'est bon pour la libido. Ça agit sur la production de testostérone. Ah, c'est ça! C'est ça quoi? Tes comportements macho, ton côté masculin développé. Quoi? Mais t'es pas gênée? J'ai pas un trop-plein de testostérone, puis je suis très féminine, tu sauras. Le système de chauffage a l'air de fonctionner correctement. Je sais pas qui c'est qui... Hein, Ben, que je suis très féminine? Quoi? Pauvre Ben. Je trouve ça de valeur que t'aies déjà des problèmes de libido à ton âge. Hein? Ben oui. La tisane. Il paraît que c'est très bon pour la libido. Mais si Maud allait apporter ça ici, là, c'est certainement pas pour moi. Ni pour Marjolaine. Hein? Quoi, ça? Je sais pas, là. Je comprends rien à ce qu'ils disent. Mais y a rien à comprendre, là. Ils déconnent, là. C'est excellent, la salsa pareille. Ça a un paquet de propriétés. Puis c'est très bon aussi pour l'endurance, hein. C'est ma prof de baladie qui m'a fait découvrir ça. On en buvait avant chaque cours. Tu danses le baladie? Quoi? C'est quoi, ça? C'est la danse la plus féminine qui existe. Mais quelle danse? Ben, moi, je te crois pas, je veux voir ça. Tu me mets au défi. Hey, wow, au défi de quoi, au juste, là? C'est dommage, mais j'ai une chirurgie à préparer. Ouais, ouais. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Peux-tu comprendre? C'est beaucoup plus sérieux que ça dans une vraie clinique. Ben, en tout cas, de ce que Louis me dit, là, n'arrête pas de me dire à quel point il faut être consciencieux et professionnel. Comme je trouvais ça un peu plate, j'ai triché. Il n'y a pas de problème, ton texte, il est très bien. C'est pas un documentaire qu'on fait, là, c'est une fiction. On peut faire faire, Pedro, ce qu'on veut, dans la limite de notre budget, bien sûr. Mais on a-tu besoin de la clinique quand même? Ouais. J'aurais besoin de voir. OK. Je vais appeler Louis avant pour être sûr qu'on le dérange pas. OK. Téléphone est là. OK.
Ah, salut, salut. Non, pas de problème. Oui, j'ai beaucoup d'ouvrages, là, mais je penserais avoir le temps de vous féliciter, oui. Oui. Alors, gars, je suis bien content d'avoir la chance de te voir encore une fois avant de partir. Je pensais pas que tu te donnerais le trouble de faire à manger, par exemple. Mais là, je me suis pas donné de trouble, là. C'est juste des pâtes puis de la salade. Ah, moi ici, je fais une bonne sauce à spaghetti. T'en souviens-tu, Lorraine, de ma sauce? Oh, pas vraiment, non. Ah, j'ai toujours aimé ça faire à manger. Et quand j'avais la chance, parce que là, sur la route, c'est pas évident. C'est une maudite vie, Tucker. Maudite vie. Tu veux du vin? Non, merci, non. Non, avec les pilules que je prends, je peux pas boire la boisson, pas tout. Hein, tu prends des pilules pour quoi? Pour la douleur. Ouais, à cause des les headaches, les mal de tête, là, tu sais. Mais ils peuvent rien faire? Ils peuvent pas t'opérer? Non, la tumeur est trop grosse, puis elle est mal placée. Mais, hey, parlons d'autre chose, hein? Ouais, c'est pas souvent qu'on a l'occasion d'être les trois ensemble, ça fait que même si je bois pas de vin, j'aimerais ça porter un toast. Un toast à quoi? Un toast à toi. Parce que je pense que je vais repartir bien fier d'avoir un fils comme toi. Je pense qu'on devrait plutôt porter un toast à Lorraine. Parce que c'est uniquement grâce à elle si je suis ce que je suis. Oh, Antoine! Non, il a raison. Un toast à Lorraine. Qui a fait une maudite belle job en élevant notre fils. Merci. C'est bien cute, le toast, là, mais... vous pensez pas que vous faites une idée un peu vite de moi? Vous me connaissez pas du tout, dans le fond. Je suis peut-être pas un si bon gars que ça, là. C'est sûr, je te connais pas à fond. Mais je suis capable de juger un homme. Puis je sais que t'es quelqu'un dont n'importe quel père serait fier. Ah oui. Si j'ai accepté de vous rencontrer encore une fois, c'est d'abord parce que Lorraine a beaucoup insisté. Mais ensuite, je me suis dit que ça serait pas correct que vous repartiez avec une fausse impression sur mon compte. Antoine, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je trouve que oui. Votre fils est gay, M. Bélanger. Quoi? Je suis fif, tapette, moumoune, fag, homo, appelez ça comme vous voulez. J'aime les hommes. Puis mon chum, il s'appelle André, pas de... Hey, ben, merci pour la visite, hein. C'était génial. De rien. Hey, j'en reviens pas que t'écris quelque chose qui se passe dans une clinique vétérinaire. Je trouve ça très flatteur. Non, mais attends, avant d'être content, hein. Oublie pas que c'est du Pedro, là. Puis, comme dirait mon réalisateur préféré, on est loin du documentaire. Hey, ce serait peut-être une bonne affaire que tu regardes le texte, Louis. Ça a beau être de l'absurde, là, mais je voudrais pas qu'il y ait trop d'invraisemblance dans la portion vétérinaire. Puis, il y a une couple de scènes à tourner avec un chien qui seront pas évidentes, là. J'ai des clients qui ont des chiens très bien dressés. Si tu veux, je peux essayer de t'en trouver un qui te donnera pas trop de misère. Ah, ça serait parfait. Ben, est-ce qu'on regarde le texte tout de suite? Ben, viens dans le bureau. On va en discuter, OK? OK. Je veux pas être casseuse de party, là, mais on est supposé être en congé. Ça sera pas long. Toi, là, tu vas payer pour ça. Ah, ce soir, je fais tout ce que tu veux, c'est promis. Ouais. Comme ça, t'as des plans pour ce soir? Oh, oui, madame. Oh ben, salut! Hey, salut! Salut! Qu'est-ce que vous faites ici? David avait besoin de parler à Louis pour des conseils pour un épisode de Pedro. Ils sont dans le bureau, là. Ah! J'espère qu'il va avoir le temps de dîner avec moi quand même. Ah! Salut! Salut! Mon Dieu, il y a bien du monde. On dirait un party. Hey, j'ai une idée, les filles. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Ben là, t'avais pas des plans avec ton chum, toi? Oui, mais c'est le genre de plan que plus on est de fous, plus on rit. Sul mare luccica l'astro d'argento, placida e l'onda. Je voulais pas te voler ton lunch. Ah, Tony avait fait pour toute l'armée. C'est Tony qui fait ton lunch. Oh, parfois c'est lui, parfois c'est moi. On est un couple moderne, on partage le travail. Ouais, on peut dire que t'as vraiment touché le gros lot, toi. Un homme qui peut faire à manger et réparer la voiture. C'est quand le mariage? Ah, je sais pas. Moi, j'aime bien comment on vit maintenant. Ma, toi, avec Simon, ça va? Ah, oh, c'est extraordinaire. Oh. Bon, j'avais peur qu'il soit pas le genre d'homme à s'intéresser vraiment à un bébé, mais je me trompe complètement.
Il est fou de sa fille. Oh, il a bien raison. Hein? Oh, la belle bambina. Oh, belle. Oh. Hey, ton projet, qu'est-ce qu'Isabelle a pensé? Oh, c'était pas l'enthousiasme délirant, mais... Elle est quand même pas fermée à l'idée de peut-être produire une ligne jeunesse. Ah, et les dessins, ça avance. Mm-hmm. Ouais, les grandes lignes sont assez bien définies. Ah, puis j'ai trouvé un système d'attache pour les enfants qui sont encore aux couches qui est pas mal brillant. Ah. En tout cas, je pense. Mm-hmm. Puis j'ai aussi des vêtements évolutifs qui peuvent grandir avec le bébé. Il y a certains modèles, au lieu de faire seulement 3 mois, qui pourraient faire jusqu'à 6 ou 9 mois. Moi, je vais voir ça, hein? Ouais, mais il va d'abord falloir que je me trouve du financement. Quand tu seras prête, tu m'apportes tes plus beaux modèles, hein? Et je suis sûre que j'y trouve un partenaire pour la finance. Comment ça? Eh, ça fait 30 ans que je travaille dans cette industrie. Alors, je connais beaucoup de monde, molto, hein? T'es sérieuse? Très. Et si je peux aider, je serai la plus heureuse des femmes. Et qui sait, j'ai des économies, moi aussi. Et je peux peut-être m'associer. Ça serait extraordinaire. Oh, mais d'un coup, je te fais perdre de l'argent. Non, non, ça, je pourrais pas accepter. Tu inquiète pas avec ça. Tu m'apportes tes modèles le plus vite possible, hein? Et je serai très objective. Et tu me crois, j'ai l'œil. Je vois beaucoup de choses. Alors, je peux dire si une collection va marcher ou non. Lina, t'es vraiment fine. As-tu du temps ce soir? Je laisse Van à Simon, puis je viens te montrer ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je vais t'attendre. Ou bien tant, toi. Ça vous dérange pas? Ben... Ben là, c'est sûr que je m'attendais pas à ça, là, mais... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si toi, t'es heureux de même. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, là, une crise cardiaque? C'est pas ça qui va me tuer, hein? Alors, oubliez pas que l'Arizona, c'est pas loin de la Californie, San Francisco, puis je fais beaucoup de voyages là-bas. Ben tiens, propriétaire de mon restaurant préféré, c'était un homosexuel. Je suis pas de problème avec ça, moi, je suis pas bonné. Ah, ben, on est... on savait pas du tout à quoi s'attendre, c'est tout. Oh, t'as pas mangé beaucoup? Ah non, c'est pas parce que c'était pas bon, hein. C'est juste que je perds l'appétit. C'est le seul avantage de cette maudite maladie-là. Je perds la bédaine. Et tu repars quand? Ah, dans 3 jours. J'ai le temps de voir mon frère Jacques. Et puis après ça, je retourne là-bas. Je reste dans le bout de Sedona. Ça, c'est un des plus beaux coins de l'Arizona. T'as venu me voir ça? J'irai en Europe avant d'aller en Arizona. Ah, merci de valeur. Ouais, je me disais que t'aurais peut-être pu en profiter pour venir faire un tour avant que je sois trop malade. Pour faire quoi? Ben, visiter. Hey, c'est beau, tu sais. Surtout pour un gars qui dessine comme toi. Il y a plein d'artistes qui viennent visiter l'Arizona. Hein? Voilà ça. Tu pourrais venir rester chez nous. La maison est grande en masse. Est-ce que vous allez finir par comprendre qu'il est trop tard pour ça? Il est jamais trop tard pour bien faire, mon gars. Parce que vous appelez ça bien faire. Antoine, je dois partir. J'ai une réunion cet après-midi, puis je suis déjà en retard. Tu restes. C'était la condition. Je suis désolée, là, mais je peux pas la respecter. Je travaille. Salut, Denis. Mais je te souhaite que tout se passe pour le mieux. Bon courage. Ben, je te remercie. Merci. Toute une femme, ta mère, hein? Ça aussi, il est un peu tard pour le réaliser. Bon, je pense que t'as pas bien envie que je reste, toi non plus. Ça fait que je vais y aller d'abord. Merci pour le dîner. De rien. J'ai repensé à ça. Pour le troc, là, j'en veux pas. Je sais pas conduire ça, puis je sais pas quoi faire avec, puis j'en ai pas besoin. Tu le vendras. J'en veux pas. Vous comprenez pas, j'en veux pas. Il est trop tard. Les papiers sont signés, il est à ton nom. En tout cas, moi, je le parle pas avec. Est-ce que vous pensez qu'un troc va compenser pour 20 ans de silence? Non, je suis pas cave. Je sais bien qu'il y a rien qui peut compenser pour ça. Ce qui est fait, mais ce que je voulais dire avant de partir, c'est que moi, pendant toutes ces années-là, j'ai pensé souvent à toi. Je me demandais qu'est-ce que t'étais devenu, de quoi t'avais l'air, qu'est-ce que t'aimais. Tu vois, j'ai toujours pensé que j'avais bien du temps devant moi pour régler mes affaires, mais là, la première chose que j'ai su, c'est que j'en avais plus de temps. Je vous crois pas. Si vous aviez tant que ça pensé à moi, vous auriez tout fait pour me revoir. OK.
OK. Disons que ton père se tient lâche, puis ça ira après un cancer pour avoir le courage de venir te voir. C'est-tu correct, ça? Hein? Ça te va-tu, ça, à toi, ça? Bon, il va falloir que j'aille, moi. Salut, mon gars. Puis, si tu changes d'idée pour la raison, là, hein, l'invitation tient toujours. Mais peut-être pas trop, parce que là, pourrait vraiment être trop tard. Right? OK, mon gars? As-tu envie de manger quelque chose en particulier? Ah, des sandwichs au jambon. Encore? On en a mangé hier. Oui, j'aime ça. C'est pas compliqué, c'est bon, puis c'est vite fait. On est-tu pressé? Pas spécialement. Hey, si on allait faire un tour au studio de montage, le vidéoclip de Jill doit être fini. Il restait juste le mixage à faire. On est en congé. Correct, correct. Mm. Puis, comment ça s'est passé, ce clip-là? Tu m'en as pas tellement parlé? Très bien. Mm. Nathalie, es-tu si brillante qu'elle dit? Veux-tu avoir la vérité? Mais oui. Eh bien, c'est un génie. Nathalie, un génie? Mm-hmm. Mais pour faire suer, oui. Non, sérieusement. Elle a ça dans le sang. Entre autres, elle m'a proposé des plans de coupe auxquels j'avais jamais pensé qui étaient géniaux. Je te dis, Gabrielle, elle a un talent pour la réalisation que j'ai rarement vu. On parle bien de Nathalie Lantaigne, ma sœur. La seule et unique. Je n'osais pas t'en parler, mais comme tu m'as ouvert la porte, je te jure, Gabrielle, elle m'a beaucoup impressionné. Je vois bien ça. Mais elle est moins belle que toi. Mmh. Bon, on mange-tu, là? Ah. Nathalie, un génie. Salut. Salut. Mauvaise journée. Denis est venu dîner avec nous. Oh boy. Lorraine a insisté. J'ai accepté. Puis j'ai fini par faire ce que je m'étais juré de pas faire. Quoi? J'ai craqué. J'ai braillé dans ses bras comme un veau. On a braillé ensemble, en fait. Bon. Ça t'a pas fait bien? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'étais mieux avant, quand je le connaissais pas. Mmh. Peut pas revenir à avant, hein? Là, tu le connais. Mmh. Il m'a invité à aller en Arizona. Vas-tu y aller? Non. Le père, c'était déjà dur à prendre. Mais... la belle-mère puis les demi-sœurs, non, merci pour moi. Pauvre Antoine. Une journée, t'es presque orphelin de père, puis le lendemain, tu te retrouves avec deux familles. Non. J'ai juste une famille. Pis c'est Lorraine. C'est à elle que je dois tout. Le reste, c'est un brouillard qui va finir par se dissiper puis disparaître. Je sais pas comment elle fait ça, là, mais ça part d'en bas. Comme une vague. En bédaine. Elle a enlevé son chandail devant tout le monde à la clinique pour faire la danse du vent. Non, c'était pas son chandail. C'était son haut de chirurgie. Puis elle était pas en bédaine en dessous. Elle était en camisole. Oups. En camisole? Ouais. Et c'est très bon, le baladi. Entre autres, pour récupérer après un accouchement. Ben, tu y diras que je récupère très bien. J'ai exactement le poids que j'avais avant. Puis mon ventre va aussi très bien, merci. Ah, puis dis donc rien. C'est pas tes maudites affaires, ça? Ben, franchement, Isabelle, dis-moi pas que t'es encore jalouse de Maude. Elle sort avec Ben. Puis elle était là, lui aussi, quand elle l'a dansé. Elle avait jamais dansé devant lui. Je te dis, là, il était sidéré. Mais c'est ça. Qu'elle se contente donc de le sidérer, lui, hein? Elle a pas d'affaire à faire la pitoune devant tout le monde, puis surtout pas devant mon chum. Ben non, c'est parce que je la niaisais un peu à cause d'une tisane qu'elle nous avait fait boire. Non, il paraît que ça aide à la sécrétion de testostérone. Là, j'ai dit que ça devait être à cause de son côté masculin, puis... puis elle a voulu me prouver qu'elle était capable d'être très féminine, c'est tout, là. Ah non, c'était... c'était très exotique comme danse. T'es très exotique comme danse. Bon, j'aurais jamais dû te compter ça. Non, sais-tu? Dans le fond, je suis contente que t'apprécies la danse exotique.
Tu devrais venir, ça va être le fun. Non, je te remercie. Jean-René arrive ce soir, puis je suis à peu près sûre qu'il n'aura pas le goût de sortir. C'est pas évident, hein? Un aux études, puis l'autre au travail. Oh, mais... Non, je pensais qu'on s'habituerait, là, mais c'est tout le contraire. Je pensais aussi qu'on aurait plein de choses à se dire les fins de semaine, puis on se parle même plus. Mais ça va s'arranger. Il me semble qu'il est moins stressé que l'année passée. Ça va aller de mieux en mieux. Ouais, c'est ce que je me dis sans arrêt pour essayer de me convaincre. Hey, on travaille ensemble en fin de semaine. C'est le fun, non? Ben non, tu te trompes. C'est Jean-René qui rentre en fin de semaine. Il vient de m'appeler pour me demander de le remplacer. Quoi? T'as-tu dit pourquoi? Bon, il reste à Saint-Hyacinthe, là. Il a full étude. Oh, ben, qu'est-ce que... Je viens-tu te faire une gaffe, moi, là? Non, c'est pas de ta faute. J'aurais pu l'appeler avant. Elle était certaine qu'il s'en venait. Elle voulait pas sortir avec nous autres ce soir à cause de ça. Ouais, pas fort. C'est où c'est qu'on sort ce soir? Si on va pas au studio, qu'est-ce qu'on fait? Une petite marche en ville? Ben, on peut y aller au studio, si tu veux. Ben non, on est en congé. Ben, on a juste à marcher jusque là. Pourquoi t'as changé d'idée tout d'un coup? Parce que je veux voir le clip qui te fait dire que ma sœur est si géniale que ça. Ah, OK. Parfait. Puis ça va nous mettre en forme pour ce soir. Vas-tu finir par me dire où on va? Oh, je l'ai pas dit! Non. Ah, ben, je m'excuse. On va juste au bar où je travaillais. Puis on a besoin d'être en forme pour ça? Ben oui. Parce qu'on s'en va dans un party où on va danser beaucoup. Pas de problème. On va danser beaucoup, beaucoup, toi et moi, collés. Toujours pas de problème. C'est un party salsa! Non. 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 Oui. Quelle bonne idée. Bien. J'avais besoin de ça pour me changer les bon. Idées. C'est ça, vous autres? Pas vraiment, non. Mais moi, c'est bien simple, j'ai absolument rien dansé qui demande un déplacement précis des pieds. Ouais, on est loin du rave, en tout cas. C'est pas le plat. Moi, là, je pense que c'est allergique au Ricky, Rubio, Tino, Angelo et compagnie. C'est vrai, tout ce qui est latino, là, ça me tape du système. Le système de son, oui, là, c'était la balance, c'est pas... pourri, oui. Pourri. La prochaine, tu viens danser, hein, tu me l'as promis. Promis, pas du tout, j'ai rien promis, je suis tombé dans un piège. Oh, arrêtez donc de paniquer, là, on va vous montrer, c'est super facile la salsa. 1, 2, 3. Vous savez sûrement compter jusqu'à 3, non? Ma tête, c'est compter, pas mes pieds. Ça prend du sang espagnol pour être capable de danser ça. Je savais pas que j'avais des ancêtres espagnols. Je parlais pour les gars. Ouais. Les filles, elles dansent sur n'importe quoi. La danse chez les filles, c'est universel, c'est inné. Exactement. Au niveau mâle, c'est pas pareil. Salut! Hey, salut! Qui? C'est comment la musique? Génial! Full poche! Bon. Nos mâles font la grève du zèle. Imagine-toi donc qu'il paraît qu'il faut des gènes espagnols pour faire danser la salsa maintenant. C'est vrai! Pas du tout. Bien, Marie, je vais leur montrer ce qu'un Québécois curlé ne sait pas. Il compte pas, lui. Ah, marche. Allez, viens, non, 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 non. Viens essayer. Là, non, pas qu'une question. Hey, c'est des danses de vieux, ça. De vieux? C'est ce qui s'appelle dire un mot de trop, ça, hein? Oh, t'es sûr, tu veux pas essayer? Non, merci. Oh, je le savais. T'es même trop intello que t'es laissé aller. Mais c'est pas grave, je t'aime pareil. Mais comme je me doutais que t'embarquerais pas, j'ai préparé mes arrières. Prépare-toi, Marjolaine, le renfort arrive.
Allô? Voici mes jeunes et charmants voisins qui vont être très heureux de nous faire danser. Oui, toujours. Ah, ah, ah. Oui. Puis, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que tu vas faire un malheur avec ta collection. C'est vrai? T'aimes ça? Si, c'est original, pratique, bien conçu. Tu as pensé chaque petit détail, brave. Tu dis pas ça juste pour me faire plaisir. Kim, j'ai beaucoup de défauts, mais je suis honnête. T'aimes ça? Merci. Maintenant, il va falloir trouver les beaux tissus, hein? On va aller voir Luigi. Il importe des magnifiques de l'Italie. Il va faire le bon prix, sinon il vient plus chez moi manger mes scalopini, ça, il pourrait pas l'accepter, hein? Et j'ai aussi deux amis qui ont les boutiques pour les enfants sur la rue Saint-Hubert. Et je suis sûre qu'ils seraient très intéressés à vendre tes créations. Voyons donc, Nina, ça n'a pas de bon sens ce que tu dis. T'es en train de régler tous mes problèmes d'un seul coup. Je te l'ai dit, je connais beaucoup de monde. Ouais, mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi tu t'es jamais servi de tes contacts pour toi ou pour la boutique. Je sais, je suis une excellente couturière, ça je le sais. Mais j'ai pas le talent pour les dessins. Alors, je sais où est ma place. Et si à la boutique personne m'a rien demandé, je suis juste une couturière. Mais pour toi, tu vas voir. Ta première collection ne va pas coûter cher pour la confection. Mais ça serait pas correct pour Isabelle et Simon si l'atelier me chargeait pas le plein prix? Tu as raison, mais ce que je veux dire, je peux travailler plus rapidement et faire des heures supplémentaires pour toi que je ne chargerai pas à l'atelier, capiche? Lina, j'ai jamais eu une amie comme toi. Mais moi, je fais jamais les choses à la moitié. Quand je déteste, c'est terrible. Mais quand j'aime, c'est terrible aussi. Tu vas réussir, Kim. On va réussir toutes les deux. Oui. Puis, si on doute, ben, on ira faire brûler des lampions. Si, bonne idée. Il faut mettre toutes les chances de notre côté. Eh, ton Bouddha, il aime les lampions? Ça, c'est un meringue. C'est encore plus facile, c'est 8 ans, puis tu fais toujours la même chose. Ah ouais, facile à dire, oui. Tu vas l'avoir, tu danses super bien. C'est... Là, c'est toi qui danses bien. Moi, je fais juste du suivi. Mais là, je fais un petit peu insufflé. T'es pas fatigué, toi? Non, pas du tout. Mais si tu préfères, on va aller chercher quelque chose à boire. Ah, ouais. Je suis entraîneur dans un centre sportif. J'ai étudié en éducation physique. Ah, tout s'explique. Ouais, tu fais quoi? Moi, je suis technicienne en santé animale. Ben, assistante vétérinaire, si tu préfères. Tu viens-tu souvent danser? Non, pas vraiment. C'est assez rare que je sorte. Valeur, t'es vraiment bonne. Mais moi, j'aime mieux quand il y a un band, pas toi? Oui, oui, c'est vrai que c'est plus fun. Ouais. Jeudi prochain, il y a un super bon groupe qui vient ici. Si ça te tente, on peut venir ensemble. Je sais pas, peut-être, oui. Mais regarde, je te laisse mon numéro de téléphone, OK? Si t'as le goût, tu m'appelles. OK. Ah, c'est valable que Philippe soit de garde. Pourquoi, il danse? Non, mais ça aurait été drôle de te voir s'emmerder avec les autres. Ouais, hein? Ben, moi, j'ai fini de m'emmerder. Je te dirai un mot que je suis parti. Oh. Va-t'en pas de même. Va y dire bonsoir. Oh, ouais. T'es bien trop occupé. On devrait peut-être y aller, nous autres, ici. C'est une nouvelle gardienne. Pour sa première fois, j'aimerais ça arriver pas trop tard. Hey, non, on a le temps en mars. J'ai dit minuit. Bon, moi, je suis prêt. À quoi? Aller danser.
Tout le tequila a pincé le critique dans mon cerveau, je sens mes gènes latinos s'activer. Caramba, señorita! Attention, j'arrive! Salut, bonne fin de soirée. Toi aussi. Je t'ai dit qu'on t'a pas vu souvent ce style-là. Oh, c'est assez rare que je sorte danser. J'en profite, hein? On a bien vu ça. Oh, comment c'est pas niaisé. Ben, c'est vrai que la voisine Gabrielle, il est pas mal cute. Lequel? Oh, lequel? Fais pas ton hypocrite! Ouais, c'est vrai que les deux sont beaux. Moi, je vais essayer de m'arranger pour danser avec le frisé avant la fête de la soirée. Ben oui, Marie, on le sait bien que t'as un fait pour les voisines Gabrielle, mais toi, t'as un chum. Elle aussi. Réunion officielle? Oui, on vantait les mérites de ton voisinage. Ben, c'est pas pire, hein? Ouais. Ben, toi, t'as pas dansé bien longtemps avec David? Ah, non, j'ai au moins deux orteils de fracturés stationnement. Bon, ben, finalement, là, la grande conclusion de la soirée, c'est que les voisins dansent mieux que les chums. Mmh, les ouais. Colocs aussi. Hein? Mmh. T'as raison. Oh, y'a pour une belle voisinage, là, sur le vent. Tequila pour tout le monde. Mais c'est pas correct, c'est nous qui devrions payer la traite. Faites danser nos blondes. Fais-toi-en pas, mon David, c'est vraiment un beau plaisir. Ah, d'accord. Marjolaine, c'est la blonde avec qui? Marjolaine, c'est... Marjolaine est toute seule ce soir. Ah. Bon, ben, à la santé des danseurs! Ouais! Vous êtes encore à la tequila? Vous avez la tête plus forte que moi, vous autres, ici? Bien, je t'en apporte une. Ah non, merci, je travaille demain. Hé, hey, Ben est parti? Elle est bonne, cette chanson-là. Peux-tu venir danser? Certains. Moi, j'en peux plus faire absolument que je trouve un moyen de partir avant minuit. Mais ta blonde a l'air décidée de rester. Hein. Tu ferais mieux de te résigner. Mais si t'aimes pas danser, là, regarde les danseurs. Il y en a qui sont bons, Moses. Regarde eux autres, là. Ben oui, mais ils ont pris des années de cours, c'est sûr, ça. Regarde. Aucune spontanéité. Tourne à gauche, tourne à droite, souris, lève le bras. C'est vrai, ça. Ils se laissent pas emporter par la musique. Ils comptent dans leur tête. Vous êtes juste des jaloux. Moi, jaloux? Tu sauras qu'Isabelle est... Excusez-moi. Je sens la fibre de la danse monter en moi. Excusez-moi, messieurs. Excuse-moi, Olivier. J'ai besoin d'un petit cours de danse. Ah, ben, je voudrais pas briser un si bel élan. Merci. Qu'est-ce qu'il y prend, Louis? La tequila, peut-être. Peut-être. Ben tiens, c'est décidé, finalement. Ben oui, ça y a pris tout d'un coup. Ben oui. Allez. On devrait peut-être y aller, hein, une nouvelle gardienne, ce serait mieux. T'es sûr, je commence juste à avoir le beat, là. Maud est très bonne pour montrer à danser. J'en doute pas. Attends. Avant minuit, je te l'avais dit, hein. Bye! Salut tout le monde! Bye!